En coréen, c'est nunchi. Nunchi, ça veut dire moyen de pouvoir s'exprimer nos désirs, nos idées, mais dans ce sens, sans parler, il faut se comprendre. Voilà, c'est un sens d'anticipation, je dirais. Quelqu'un qui, dans la société coréenne, c'est une société très collective. Il faudra comprendre les désirs des autres sans qu'il y ait des communications verbales, et c'est ça. Et on peut dire, t'as pas de nunchi, si tu comprends pas. Voilà. Pardo. Pardo is the transition between the life now and the life after. It's the transition of the fear and the desire in between.